Françoise Legendre, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait combien de fois que vous exposez ici à la Mondiale? Eh bien, c'est la sixième fois. Donc, la sixième année. Sixième année que ouais. J'expose dans cette petite salle très conviviale qui convient tout à fait à mes aquarelles sur les murs en pierre du XIIe siècle. Donc, c'est vraiment très agréable d'aller à la rencontre des gens d'ici tous les ans. Je rencontre des habitués de Martel et puis aussi des touristes. Donc, ça me permet de voyager tout en étant à Martel. D'accord. Alors là, votre exposition, donc, il y a des choses nouvelles, hein? Oui, il y a à peu près, je dirais, un peu plus de 30% quand même de nouvelles aquarelles. D'accord. Donc, le thème, c'est... Alors, cette année... J'ai raconté un petit peu mon histoire à travers ce hublot « Je vois Martel ». Donc, je dis que la vie est un voyage qui nous entraîne dans sa course. Et un jour, on pose ses bagages et puis on s'attache à un lieu qui nous avait vraiment plu. Je dis qu'il nous avait caressé l'âme. Et vraiment, depuis 2014, nous sommes vraiment très, très heureux à Martel. Voilà, on a trouvé vraiment l'endroit où on se sent bien. Et l'endroit qui vous inspire apparemment? C'est vrai que la région est vraiment très belle. Les thèmes sont inépuisables. Tous les paysages sont vraiment... merveilleux et on se lasse pas de vouloir les représenter. Une petite abstraction entre guillemets avec les galets notamment. C'est vrai que quelquefois je m'en vais un petit peu dans le rêve en regardant l'eau qui coule sur les galets. Alors la Dordogne m'a toujours séduit. Enfin, quand j'étais enfant, j'avais été surprise de voir la transparence de l'eau et de voir les galets, les petits poissons. Et c'était vraiment quelque chose qui m'avait attirée. Donc c'est un petit retour en enfance alors. Vraiment, oui. Je suis attachée à un endroit en particulier,
un hameau au bord de la Dordogne, Foussac, donc, qui est tout près de Floirac, dans un endroit qui n'est comparable à aucun autre, un cirque, le cirque de Floirac, ou de Montvalent, voilà. Donc c'est vraiment un endroit merveilleux encore. Donc la technique en fait ne change pas, hein, vous êtes toujours à l'aquarelle. Toujours à l'aquarelle, avec quelquefois l'emploi de brou de noix, toujours, et d'isatis tinctoria, là, ce pastel des teinturiers, cette fleurée de pastel pour les aquarellistes, donc, qui sont des couleurs qui permettent de représenter les toitures, les pierres, donc ces galets, voilà. C'est un peu votre marque hein, de fabrique, ça, ces matières-là, non? C'est vrai que j'aime beaucoup utiliser les pigments qu'on trouve dans la région, en plus de représenter la région, quoi. Alors justement, est-ce que vous allez encore exposer l'année prochaine? Est-ce que vous avez déjà, parce que j'imagine que vous avez déjà des idées pour plus tard? Alors j'espère, oui. Comme tous les ans, j'aime beaucoup me retrouver dans cette salle, donc j'espère l'année prochaine y revenir. Mais entre-temps, bon, je pense pouvoir aussi exposer au mois de novembre avec l'équipe de peintres des alentours. Oui. Et puis, comme l'an passé, j'irai certainement aussi à Paris avec le tableau de Martel à travers le hublot. Toujours au ministère des Finances, hein, c'est ça hein? Voilà, c'est ça. Comme l'année dernière, en fait. Comme l'année dernière, grâce à la fille d'un peintre illustre de Martel, Monsieur François Gall, dont je suis voisine. D'accord. Enfin, je suis voisine de leur maison. Oui. Voilà. D'accord. Et donc c'est comme ça qu'on a lié connaissance avec Marie-Lise et qui m'invite chaque année au ministère des Finances. D'accord. Alors bah écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je voulais juste rappeler que vous êtes aussi représentée sur Martel Art. Hein, donc comme ça, vous avez. Et je vous remercie d'ailleurs. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment quelque chose de très valorisant et donc c'est super pour les artistes de Martel en particulier et puis des alentours. Tout à fait. C'était le but de martelart.com exactement. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup et puis on vous souhaite tout le succès qui vous revient. Merci beaucoup. Et on vous embrasse bien en tout cas. Merci. Au revoir François. Au revoir.